et de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, que le Seigneur soit avec vous, et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des éphés et du bétail. Avec du bétail, c'est-à-dire les bêtes de somme pour les faire déplacer. Avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Verset 5. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les lévites. Il faut souligner ceci. Et les lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit. Ceux dont Dieu réveilla l'esprit, c'est-à-dire que Dieu touche leur esprit, réveille l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Ce que nous lisons, c'est la délivrance et la restauration des enfants de Juda de la captivité babylonienne. Quelque chose était arrivé. Le Seigneur a prévu et prédit cela avant que cela n'ait lieu, avant que la captivité n'ait lieu des années après que Néhémie, Jérémie a vu leur déportation. Ils ont été en captivité à cause de leur péché. Et ils étaient en captivité et Ezra aurait lu la prophétie de Jérémie qui serait en captivité pendant 70 ans. Pourquoi 70 ans? Parce que c'est dit que les enfants d'Israël devaient faire leur culture pendant 6 ans et la 7e année, la terre serait laissée en jachère. Il n'y aura pas de travaux champêtres, mais il faut donner le repos à la terre. Mais vous savez, les enfants d'Israël n'observaient pas la parole de Dieu, mais on dit, mais pourquoi aller en captivité? Voici le peuple de Dieu. Pourquoi était-il allé en captivité? Cette année, il continuait de travailler. 5 ans, il continuait de travailler comme ça. Et il devait donner 1 an des 7 que Dieu a dit. Et pour donner le repos à la terre, ils ont continué de faire cela 90 ans. Et Dieu a dit, d'accord, je vous ai dit de donner volontairement, libéralement, de tout votre cœur, 1 an des 7. 1 sur 7. 490 ans, vous n'avez pas observé ma parole. Donc, 497 divisé par 7, ça donne 70 ans. Pour que la terre prenne son repos. Alors, c'était une forme de punition, une forme de discipline, une forme de châtiment que Dieu a sa volonté. Dieu a toujours sa volonté. Il vaut mieux lui donner la chose librement ou bien de force. C'est qu'on est en captivité. Maintenant, 70 ans passés, il devait revenir. Nous reviendrons. Quelqu'un là-bas, je dis, nous reviendrons. La restauration, il veut leur donner la restauration. Mais je dois vous dire quelque chose. Revenez à Esdras 1, je lis le verset 1. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Soulignez cela, le mot réveilla. Le Seigneur l'a ravivé, l'a incité, l'a excité, l'a piqué. L'Éternel a touché son cœur, a touché son esprit et l'a réveillé son esprit.
quoi que la prophétie soit là, quoi que la déclaration soit là, quoi que l'homme qui devait amener la restauration soit là, mais il faut que l'esprit soit réveillé. C'est très important. Le réveil de l'esprit. Tu ne vas pas te déplacer, tu ne vas rien faire, tu ne feras pas le progrès à moins qu'il ne soit un réveil de l'esprit. Le calvaire a tout produit, Christ a tout fait, les promesses de Dieu sont oui et amen. Et Dieu est un Dieu fidèle, mais il n'y a pas d'accomplissement. Mais il faut qu'il y ait un réveil dans votre esprit. Et tu dis que je vais sortir de ce lieu, je vais quitter Babylone. Alors il y a un réveil dans l'esprit. Allons au verset 5. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les lévites, tout ce dont Dieu réveilla l'esprit, la même chose. Les gens, après que Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus, il a fait la proclamation, et les gens eux-mêmes qui ont entendu cela, ils ont l'esprit réveillé. Il y a des gens qui se prélassent, il y a des gens qui restent ouverts, s'asseyent, quoique les portes soient ouvertes, les promesses soient données, quoi qu'il y ait le réveil, quoi qu'il y ait la restauration, et que ce soit un temps de réveil, quoi que ce soit un temps d'effusion de la puissance de Dieu du ciel, quoi que ce soit un temps d'une abondance, d'une plénitude des choses du Seigneur, ils ne sont pas réveillés, ils restent apathiques, ils restent léthargiques, parce qu'ils restent ainsi, il n'y a rien qui se produise. Toute bonne chose qui se produise dans votre vie doit venir par le réveil de votre esprit et vous répondez à cela. Que je vous montre Exode 36, je lis le verset 2. Exode 36, nous lisons le verset 2. Moïse appela Betsaliel, Oliab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé. La sagesse est là, l'habileté est là, les possibilités sont là, mais le cœur est disposé, le cœur réveillé, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. L'esprit doit être réveillé. On va à Job chapitre 17. Les bonnes choses sont devant vous. Il y a des choses merveilleuses devant vous. Et cette année pour vous, par la grâce de Dieu, selon les promesses de Dieu, ce sera une grande année pour vous. La plus grande année pour vous de votre vie. Et les portes seront ouvertes pour vous. Il y aura de grandes choses pour vous. Mais voyez, lorsque les portes sont ouvertes et qu'il y a la restauration, votre esprit doit être réveillé. Job 17, je lis le verset 8. Les hommes droits en sont stupéfaits. Et l'innocent se soulève contre l'impie. L'innocent se soulève contre l'impie. Et l'impie vient. L'impie veut prendre ta place. Et tu dis que ce qui veut être, soit. Que Dieu ait sa volonté. Si c'est ainsi que Dieu veut que les choses se passent et que ces gens sont hypocrites et tout le monde sait qu'ils sont hypocrites, ils veulent prendre ma place, d'accord. S'ils veulent prendre ma place, qu'ils prennent ma place. S'ils veulent prendre mes biens, qu'ils les ravissent. Et si c'est ce qu'ils veulent, ils veulent prendre mon mari, qu'ils prennent mon mari, qu'ils prennent ma femme, qu'ils prennent mes enfants. Moi, je vais voir ce que Dieu va faire. Mais tu dois te soulever contre eux. Tu dois dire que ça, voici mon heure, voici mon temps, voici mon opportunité. C'est dit, et l'innocent se soulève contre l'impie. Vous allez vous réveiller. Je dis, vous allez vous réveiller. Tout ce qui vous appartient va venir à vous. Mais vous devez vous lever et posséder la chose. Vous allez vous lever et posséder la chose. Levez, je vais me lever. Je vais le posséder. Je vais le posséder. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Même Akab a dit,
Ne savez-vous pas que Galade de Ramoth nous appartient? Allons nous emparer. Allons nous en emparer. Même le pécheur se réveille pour dire que oui, cela, le terrain, là, personne ne me le ravira. Comme vous réveillez, cette année sera merveilleuse pour vous. Vos voies seront nettoyées et vos possessions seront claires et toute la bonté de Dieu va couler dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Je vais à Agé chapitre 1, verset 14. Agé 1, verset 14. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. Il y avait une montagne devant Zorobabel et il criait grâce, pas par la puissance, pas par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Oui, Dieu le fera. Dieu va déplacer toutes les montagnes devant toi. Mais ton esprit doit être réveillé. Tu dois te réveiller. Tu ne dois pas dormir. Tu dois comprendre que cela m'appartient. Toutes les promesses de Dieu, toutes les promesses de la part de Dieu sont à toi. Cette année, toutes promesses sont à toi. La puissance du Saint-Esprit est à toi. Toutes les promesses de Dieu sont à toi. Tu dois te réveiller. Tu ne peux pas rester mou, dormant et faible, impotent, inamovible, stationnaire, immobile. Ça ne se passe pas comme ça. Et c'est dit que l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué. L'esprit de Josué était aussi réveillé, fils de Jotadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre. Tu ne veux rien faire, mais ton esprit doit être réveillé avant que tu ne te mettes à l'œuvre. Je ne serai pas comme j'ai été l'année passée. Et il y a un futur glorieux, un futur merveilleux est devant moi. Donc je dois me réveiller pour faire l'œuvre dans la maison de l'Éternel, des armées, leur Dieu. Je prie que le Seigneur le fasse. Dans ma vie, le Seigneur le fera. Dans ma famille, le Seigneur le fera. Et il y a un réveil ce jour. Et voyons Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16. Je lis le verset 25 et verset 26. Je lis jusqu'au verset 28. Actes 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, c'est ainsi que votre miracle viendra. Tout à coup, c'est ainsi que votre percée viendra. Tout à coup, c'est ainsi que votre libération viendra. Que quelqu'un m'aide à crier tout à coup. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Criez l'expression au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent. Dites-moi ce qui suit là-bas. Et les liens, dites-moi ce qui suit. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Les liens de tous les prisonniers furent rompus. Pensez que les fondements de la prison furent ébranlés et les chaînes, les liens de tout le monde furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal. » Nous sommes tous ici. L'esprit ne les a pas réveillés. Eux-mêmes ne se sont pas réveillés. Toutes les portes des prisons étaient ouvertes. Ils étaient captifs. Les chaînes brisées. Mais ils sont libérés. Il faut être libéré. Alors, la libération est donnée à tout le monde. Mais il n'y a personne qui se soit réveillé pour échapper.
Et Paul dit au geôlier, ne te gêne pas, ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Au fait, Paul et Silas étaient là pour le salut de cet homme-là et pour les autres qui étaient là. Ils étaient là parce que l'Esprit ne les a pas réveillés et Dieu n'a pas répondu au réveil de l'Esprit de Dieu. Et voyons, Ésaïe 64, verset 3. Jamais on n'a appris ni entendu dire et jamais l'un n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Ce que le Dieu Tout-Puissant, le grand Dieu, le Saint Dieu du ciel, le Dieu, le Très-Haut, ce qu'il a préparé pour ceux qui se confient en lui. Il y a quelque chose de glorieux, quelque chose de grand. Au fait, l'œil n'a pas vu ceci, et le cœur n'a pas imaginé ceci, de grandes choses que Dieu a pourvues pour ceux qui se confient en l'Éternel. Vois le verset 7, verset 6. Verset 6, il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Il y a de grandes percées, de grandes possibilités, mais il n'y a pas de réveil. Le Seigneur dit ce jour que si tu vas attraper, et vous allez attraper, si tu vas recevoir, je crois que vous allez recevoir. Et si votre servitude sera totalement ôtée à jamais, et je crois que voici le jour. S'il y aura une libération, je crois que voici le jour. Il faut qu'il y ait un réveil dans ton cœur. Tu te réveilles et tu dis, je ne vais pas demeurer où je demeure toujours. J'avance. Moi, j'avance. Je vais de l'avant. Je marche en avant. Voyons, deuxième Timothée 1. Chapitre 1, verset 6 qui dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Voyez, il dit, Timothée, faut pas t'asseoir là-bas. Timothée, faut pas être peureux. Timothée, ne sois pas un quoi. Timothée, ne sois pas un faible qui se repose à tout moment. Réveille-toi. Ranime le don de Dieu que tu as reçu. Ne sais-tu pas, Timothée, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, amen, d'amour, un bon amen, et de sagesse, dernier amen. Dieu nous a donné l'esprit de puissance, l'esprit de force, l'esprit d'amour, l'esprit de sagesse. Il a dit, Timothée, à cause de cela, sois différent, sois distinct, lève-toi, monte, réveille-toi, cours, ranime le don de Dieu qui est en toi. Et si tu fais cela, comme le Seigneur nous le dit, et voici la parole de Dieu de ce jour, il y aura l'accomplissement dans votre vie, il y aura l'accomplissement dans votre vie, ce sera fait au nom de Jésus-Christ. Je vous parle de l'accomplissement parfait de la parole de l'Éternel. L'accomplissement parfait de la parole de l'Éternel. Il y a l'accomplissement dans votre vie. Il y a l'accomplissement dans votre vie. Dieu le fera. Dieu le fera. Mais vous devez vous réveiller et vous dites que je ne vais pas encore rester en arrière. Je vais me réveiller. L'accomplissement parfait de la parole de Dieu. Nous allons voir trois points. 1. La prophétie inchangeable de la parole de l'Éternel. La prophétie est déjà donnée, c'est inchangeable. Le ciel et la terre passeront, mais cette prophétie ne passera pas. La prophétie inchangeable de la parole de l'Éternel. 2. Point. La promesse infaillible de la parole de l'Éternel. 3. Point, c'est l'accomplissement indéniable de la parole de l'Éternel. L'accomplissement finalisé dans votre vie. Cela va se passer même ce jour au nom de Jésus-Christ.
toujours brisé. Toutes les chaînes et les liens, tout est ôté de ta vie. Alors, c'est l'accomplissement indéniable de la parole de l'Éternel. Quel est le premier point là-bas? C'est la prophétie inchangeable de la parole de l'Éternel. Nous retournons à Esdras chapitre 1. Esdras 1 verset 1. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. La parole de l'Éternel, par la bouche de l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Vous allez vouloir comprendre que Cyrus, avant qu'il ne soit né, environ deux siècles, il était né, vous voyez, mais Dieu, avec tout ça, chaque prophétie de la parole de Dieu doit être accomplie. La prophétie qui est inaltérable, inchangeable, la parole de Dieu, la prophétie qui est irrévocable. Et Ésaïe chapitre 44 et verset 28 qui dit ici, Ésaïe 44 verset 28, je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il n'était pas encore né. Avant que vous ne soyez né, Dieu savait que vous allez venir dans ce monde. Il a fait des préparations pour vous. Il a des choses stipulées, les détails de tout ce qui vont se produire, tout ce qui va se produire. Si tu vas te réveiller, si tu vas posséder cela, votre vie sera merveilleuse. Et c'est, je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Et Isaïe ne s'était pas arrêté là-bas. Il parlait de cet homme qui n'était pas encore né. Il parlait de Cyrus, mais il a mentionné le nom parce que le Seigneur lui a donné le nom. Parce que le Seigneur savait que Cyrus ne sera pas un jeu de hasard. Vous ne serez pas un jeu de hasard dans ce monde. Vous êtes venu ici pour un but. Dieu vous a envoyé ici pour un but. Et ce but sera atteint au nom de Jésus-Christ. Lorsque vous naissez de nouveau, Dieu le sait. Lorsque vous êtes même amené à cette église, vous faites partie de l'église. Dieu savait cela. Alors Dieu a un projet, un plan, un projet pour vous sur votre vie. Ce sera fait. Et voyons... Et chapitre 45, verset 1, ainsi parle l'Éternel en son nom à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain, les empêchements devant vous sont brisés au nom de Jésus, et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, les trésors dont vous avez besoin pour accomplir le projet de Dieu et les desseins de Dieu. Tous ces trésors vous seront donnés au nom de Jésus. Ces trésors vous sont accordés. Vous regardez l'échelle que vous allez monter, que Dieu me viendra la force. La force vous sera donnée. Vous dites que, où est-ce que j'aurai les finances? Tu auras tout cela, tous les trésors. Mais s'il faut que cela vienne des gens du monde qui amassent les trésors, ils ne savent pas qu'ils les amassent pour vous, cela va couler vers votre direction au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 55, verset 8. Ésaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux,
et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole. La parole pour vous aujourd'hui. Ainsi en est-il de ma parole. La proclamation sur vous aujourd'hui. Ainsi en est-il de ma parole. La parole du salut, la parole de la sanctification, la parole de la puissance dans le Saint-Esprit. N'allez pas rester aussi faible que vous êtes maintenant, que vous soyez maintenant. Aussi faible que vous soyez maintenant, la force viendra pour vous. La parole d'autorité, de guérison viendra sur vous. Il ne faut pas regarder le passé, que pourquoi ceci, pourquoi cela. Il ne faut pas regarder les 10 ans derrière vous. Aujourd'hui, c'est le jour d'accomplissement pour vous. Et il s'est dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir à exécuter ma volonté et accompli mes desseins. Donc Dieu a dit que les enfants de Juda, le peuple de Juda, allaient passer 70 ans et le Seigneur marquait le temps. Et Daniel lui a présenté cela en prière. Le Seigneur a réveillé l'esprit de Cyrus pour dire qu'il est l'heure que les captifs soient relâchés. Il est l'heure que les captifs soient libérés. Je vois que la captivité est ôtée ce jour. Les jougs sont brisés ce jour. La parole du Seigneur ne va pas retourner à lui sans effet. Mais cela va accomplir le quoi, le pourquoi le Dieu Tout-Puissant l'a envoyé. On va à Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1, versets 11 et 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? La parole du Seigneur vous parvient quand vous entendez le message. Que vois-tu sur toi-même? Que vois-tu? Que vois-tu de ta famille? Que vois-tu de ton futur? Que vois-tu de l'autonomie, l'autonomisation que le Seigneur te donnera? Et que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amande. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, je vois bien ce jour. Mes yeux, ma vision, tout est clair ce jour. Votre vision est-elle claire? Votre vision est-elle claire? La vision de 2023. Vous voyez bien la promesse de Dieu. Vous voyez bien les promesses de Dieu. Tu as bien vu. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Jérémie, chapitre 44. La prophétie inchangeable de la parole de l'Éternel. Jérémie 44, je lis le verset 28. Jérémie 44, verset 28. Ceux en petit nombre qui échapperont à l'épée retourneront du pays d'Égypte au pays de Juda. Mais tout le reste de Juda, tous ceux qui sont venus au pays d'Égypte pour y demeurer sauront si ce sera ma parole ou la leur qui s'accomplira. Le Seigneur dit, nous saurons celui dont la parole s'accomplira. La parole de votre ennemi ou la parole de l'Éternel. Quelle parole s'accomplira-t-elle? La parole de Babylone ou la parole du Seigneur. Laquelle s'accomplira? La parole de Satan et la parole du Seigneur, laquelle s'accomplira? La parole de votre capteur, ou de votre oppresseur, de votre opposant, les gens qui vous ligotent. Et la parole du Seigneur, laquelle s'accomplira? La parole du faux prophète qui dit que tu ne vas jamais t'en sortir. Et la parole du Seigneur, laquelle s'accomplira? La parole du Seigneur s'accomplira dans votre vie. La parole du Seigneur s'accomplira dans votre vie. Ézéchiel 12, je lis le verset 28. Ézéchiel 12, 28. C'est pourquoi dis-leur,
Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. Il n'y a plus de délai. Je dis, il n'y a plus de retard. L'heure d'accomplissement est venue. Et le temps d'exécution est venu. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. Ce sera accompli. Dans votre vie, ce sera fait. Pour votre joie, ce sera accompli. L'abondance dans votre vie, cela sera exécuté. La paix dans votre vie, ce sera fait. Et la délivrance totale, la libération totale, le réveil, la restauration, ce sera fait au nom de Jésus-Christ. Matthieu 24, Matthieu 24, Matthieu 24, Matthieu 24, verset 34, Matthieu 24, 34. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Mes paroles ne passeront point. La prophétie, toute prophétie de la parole de Dieu sera accomplie au nom de Jésus. Deuxième point. La promesse infaillible de la parole de l'Éternel. La promesse infaillible de la parole de l'Éternel. Quand vous pensez au peuple de Juda, la promesse a été donnée qu'ils auront une libération après les 70 ans. On va à Jérémie 29. Jérémie 29. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix. Il y aura la paix dans votre cœur. Il y aura la paix dans votre famille. Toute la confusion, tout le bruit et tout le feu qui brûle, tout le feu là sera éteint au nom de Jésus-Christ. Projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Il vous exaucera. Le Seigneur répondra à vos prières. La prière, les prières que vous faites du tréfonds de votre cœur à cause de vos besoins, il vous exaucera ce jour. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Quel en est le résultat? Verset 14. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Que l'Église dise Amen. Jérémie, chapitre 33. Jérémie, chapitre 33. Je lis le verset 7. Jérémie 33, 7. Jérémie 33, nous lisons le verset 7. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël et je les rétablirai comme autrefois. Je les rétablirai comme autrefois. Comme ils étaient en captivité à Babylone, ils disaient, oh, les beaux vieux jours, les jours de paix, les jours de progrès, les jours de puissance, les jours de prospérité, les beaux vieux jours. Et maintenant, ils ne pouvaient pas chanter. Comment pouvons-nous chanter les cantiques de Sion dans une terre étrangère? Le Seigneur dit, ces beaux vieux jours reviendront. Essayez de vous rappeler les beaux temps, les temps de joie dans votre vie. Est-ce que c'est avant votre mariage, ou bien le jour où vous êtes marié, ou bien c'est le jour où vous êtes sauvé, ou bien c'est le jour où vous êtes sanctifié, ou bien c'est le jour où Dieu vous a donné un miracle. Essayez de vous rappeler le meilleur jour le plus glorieux de votre passé. Ce jour-là reviendra encore. Et je les rétablirai comme autrefois. Verset 8. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur
pardonnerai toutes les iniquités. Le fardeau du péché sera ôté. La culpabilité du péché sera ôtée. Et la condamnation sera ôtée. Et si ton nom n'est pas dans le livre de vie, ton nom va entrer dans le livre de vie. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Cette ville sera pour moi un sujet de joie. Vous deviendrez un enfant joyeux. Vous serez un enfant qui va causer la joie dans le cœur du Père Céleste au nom de Jésus-Christ. De louange et de gloire parmi toutes les nations de la terre qui apprendront tout le bien que je leur ferai. J'entendrai, j'apprendrai tout le bien que Dieu te fera. Tu donneras ton témoignage. Nous allons jouir de ton témoignage. Et les nations de la terre et toute autre personne apprendront tout le bien que je leur ferai. Elles seront étonnées et émues de tout le bonheur et de toute la postérité que je leur accorderai. Amen pour vous. Amen pour votre famille. Amen pour la provision du Seigneur dans votre vie. Voilà le verset 14. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore ce que j'ai prononcé sur eux. Ce sera fait dans notre vie au nom de Jésus. La promesse de Dieu ne peut jamais échouer. La promesse infaillible de la parole du Seigneur. La promesse infaillible de la parole de l'Éternel se sera accomplie. Et je vais y prendre part. Je vais y prendre part. Jérémie 46. Nous lisons le verset 27. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra et jouira du repos et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler. Qu'allons-nous manger demain, il n'y a pas de crainte. Qu'allons-nous porter demain, il n'y a pas de crainte. Comment serai-je en mesure de payer la scolarité de mes enfants? Il n'y a pas de crainte. Comment aurai-je toutes choses accomplies? Il n'y a pas de crainte. Comment dois-je me libérer de la captivité des bailleurs? Il n'y a pas de crainte. Comment le passé doit-il me laisser pour que je prenne l'envol pour le futur glorieux? Il n'y a plus de crainte. Verset 28. Toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, car je suis avec toi. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtierai avec équité. Je ne puis pas te laisser impuni. Dieu le parlait à cause du mal qu'ils avaient fait. Le Seigneur dit, oui, je vous ai châtié soit en 10 ans. Ça suffit. Toutes les souffrances passées suffisent, sont passées. Alors un temps glorieux est arrivé. Ézéchiel chapitre 11. Et je lis ici le verset 16. Ézéchiel 11, verset 16. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Et si je les tiens éloignés parmi les nations, si je les ai dispersés en divers pays, je serai pour eux quelque temps un asile dans les pays où ils sont venus. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples. Vous n'allez pas mourir en captivité. Vous n'allez pas mourir dans la prison. Vous n'allez pas mourir en prison.
Vous n'allez pas mourir dans votre problème. Alors je vous rassemblerai du milieu des peuples. Je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés. Je vous donnerai la terre d'Israël. C'est là qu'ils iront et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur cœur, de leur corps, le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je n'ai pas reçu votre amen. C'est la promesse que le Seigneur leur a donnée, mais il nous a donné de plus grandes promesses. Voyons ceci aux Hébreux. Hébreux. Nous allons aux Hébreux. Hébreux 8, verset 6. Nous avons de plus grandes promesses. Hébreux 8, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Tout ce que le peuple de Juda a obtenu, vous en aurez, vous l'obtiendrez. Et plus que cela, parce que l'Éternel est un Dieu fidèle, il a donné la promesse, c'est une prophétie inchangeable et c'est une promesse infaillible. Et numéro 3 maintenant, troisième point, l'accomplissement indéniable de la parole de l'Éternel. Indéniable. L'accomplissement indéniable de la parole de l'Éternel. Revenons à Esdras. Esdras 1. Je lis le verset 1. Esdras chapitre 1, verset 1. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Et pourrez-vous savoir que quand on lit la parole de Dieu, parfois, lorsque quelque chose est répété à maintes reprises, c'est dit et c'est répété encore exactement la même expression. La répétition, c'est pour nous assurer que cela ne faillira pas, que cela doit s'accomplir. Voyons, deuxième chronique 36, je lis le verset 22. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Alors, ce qui est lu en Esdras est dit ici, c'est pour vous dire que le ciel et la terre passeront, la mer peut mugir, le diable peut rugir, mais la parole du Seigneur sera oui et amen dans notre vie. Le verset 23 dit ainsi, parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel Dieu des cieux m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda, qui d'entre vous est de son peuple. Que l'Éternel son Dieu soit avec lui et qu'il monte. Vous étiez en captivité. L'Éternel ton Dieu, que l'Éternel ton Dieu soit avec toi. Que le Messie, le Sauveur soit avec toi. Laisse tes chaînes, laisse toute l'oppression derrière toi et monte. Je monte. Je vais monter. Je suis délivré, gloire à Dieu. Je dis, je suis délivré, gloire à Dieu. Nombre 23,
23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Il t'a béni. Je ne le révoquerai point. Et Balaam ne peut le révoquer. Les faux prophètes ne le révoqueront pas. Les circonstances ne le révoqueront pas. L'économie du pays ne le révoquera pas. Les instructions, les règles d'éducation ne le révoqueront pas. Les politiciens ne peuvent le révoquer. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement, que quelqu'un crie là-bas, oui. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Tout gris contre toi sera anéanti. Toute divination, toute incantation contre vous tombera par terre. Pas d'enchantement, pas d'incantation, pas de divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Quelle est l'œuvre de Dieu? Le Seigneur le fera. Il le fera dans votre vie, c'est fait. Luc 1, verset 45. Luc chapitre 1, verset 45. Heureuse celle qui a cru. Crois que c'est fait. Crois que ton joug est brisé. Heureuse celle qui a cru. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Dans ma vie, il y aura l'accomplissement. Dans ma famille, il y aura l'accomplissement. Dans mon lieu de travail, il y aura l'accomplissement. Dans l'œuvre de mes mains, il y aura l'accomplissement. Cette nouvelle année, il y aura l'accomplissement. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Quelqu'un là-bas crie Amen. Romains 4, verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée. La promesse du salut est assurée. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ce jour. La promesse de guérison est assurée. C'est par ses meurtrissures, dites-le-moi, que nous sommes guéris. Et la promesse de la prospérité est assurée ce jour. Parce que Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse dans la gloire en Christ Jésus-Christ. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il est écrit. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Les choses qui ne sont pas dans votre vie, le Seigneur les amène ce jour comme par création ce jour. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il parle de toi, postérité d'Abraham, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Tout ce que tu vois, tout ce que tu sens, quel que soit ce que le docteur a dit, quel que soit ton rêve, c'est dit, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants.
Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi. Quelqu'un là-bas est fortifié par la foi. Mon frère là-bas, tu es fortifié par la foi. Ma soeur, tu es fortifié par la foi. Mon fils et ma fille, tu es fortifié par la foi. Donne la gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction, y a-t-il quelqu'un là-bas, y a-t-il quelqu'un qui soit convaincu? Y a-t-il quelqu'un qui soit convaincu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Aujourd'hui, c'est le jour d'accomplissement dans votre vie. Il faut le dire. Aujourd'hui, c'est le jour d'accomplissement dans ma vie. Il faut le dire. Aujourd'hui, c'est le jour d'accomplissement dans ma vie. Puisse le Seigneur le confirmer au ciel au nom de Jésus-Christ. Acte 27. Verset 25. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, frères et sœurs, rassurez-vous. Que ces larmes soient ôtées, soient essuyées, rassurez-vous, car j'ai cette assurance en Dieu, qu'il en sera, comme il m'a été dit, et qu'il en sera. Je n'ai pas entendu votre voix, qu'il en sera. Répétez, qu'il en sera, comme il m'a été dit. Tout ce que vous avez entendu va s'accomplir dans votre vie. Il est l'heure de recevoir. Les jours se brisent maintenant. Les péchés sont ôtés maintenant. La culpabilité est ôtée. Et les maladies sont ôtées. Les jougs sont brisés. Aujourd'hui, l'accomplissement dans ta vie. Où es-tu? Lève-toi et reçois. Aujourd'hui, l'accomplissement dans ta vie. L'accomplissement parfait de la parole de Dieu, du Seigneur. Ouvrez la bouche et parlez. Regardez. La prophétie sur Cyrus, son nom était mentionné. Tu n'es pas un hasard. Dieu connaît ton nom. Il sait que tu es ici. Il sait que tu seras guéri ici. Il sait que tu es ici ce jour. Et Dieu a préservé. Il a réservé pour toi ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Le problème est que tu ne te réveilles pas. Aujourd'hui, réveille-toi pour dire que je ne vais pas demeurer tel que j'étais. La captivité est ôtée, le joug est brisé, les maladies sont ôtées, le pouvoir du péché est brisé. Il faut un accomplissement dans ta vie. C'est toi l'homme là, c'est toi la femme, c'est toi le garçon, c'est toi la fille là. Le Seigneur t'attend. Il mentionne ton nom. Il connaît ton nom. Et alors, il a préparé pour toi. Il s'est préparé pour toi. Et il a fait des projets pour toi comme tout ce qu'il a dit de Cyrus. Et les choses qui t'empêchent seront ôtées. C'est l'heure de l'accomplissement dans ta vie. Le temps de délivrance dans ta vie, le temps de libération dans ta vie, le temps de restauration dans ta vie. Prends courage, mon frère, prends courage, mon fils, prends courage, ma soeur, parce que je crois en Dieu qu'il en sera. Je crois en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. C'est déclaré à toi. Qu'il en sera. Aucune promesse de Dieu ne tombera à terre. Aucune parole de Dieu ne tombera à terre. Aucune promesse, aucune prophétie, aucune déclaration, aucune proclamation de la parole de Dieu sur ta vie ne tombe à terre. Il faut avoir la pleine conviction ce jour. Il faut avoir la pleine conviction ce jour. Il faut avoir la pleine conviction ce jour. Tout ce que le Seigneur a dit sera accompli. Tout ce que le Seigneur a dit sera fait. Ça peut sembler impossible, incroyable, ça peut sembler difficile, mais voici le jour. Ce jour, c'est le jour d'accomplissement dans ta vie. La parole que Dieu a envoyée ne retournera pas sans effet, mais la parole va accomplir tout ce que le Seigneur a dit.
Ouais, pourquoi la parole de Dieu t'a envoyé, la raison pour laquelle la parole t'a été envoyée sera accomplie. Ce sera accompli. Sans douter à cause de l'incrédulité, sois fortifié ce jour. Il y a l'accomplissement dans ta vie. Il y a la réalisation dans ta vie. Ce sera fait. Si tu es pécheur, confesse tes péchés au Seigneur. Il y a l'assurance que le Seigneur va te pardonner, il va te sauver ton âme. Si tu es malade, parle au Seigneur, il y a l'assurance, il va te guérir. S'il y a un joug, s'il y a une servitude, s'il y a une captivité, déclare cela au Seigneur. Cette captivité sera ôtée. Il y a l'assurance ce jour. Il y a l'assurance ce jour. Au sujet de l'accomplissement de la parole de Dieu, ce sera fait. Ce sera fait. Ce sera fait. Tout besoin dans ta famille, parle au Seigneur, ce sera fait. Ta profession, parle au Seigneur, ce sera fait. Parle de tout ce dont tu as besoin. Parle au Seigneur, ce sera fait. Ta vie spirituelle, parle au Seigneur, ce sera fait. Il y a l'accomplissement ce jour. Il y a l'accomplissement ce jour. Il y a l'accomplissement ce jour. Toute la bonne volonté de Dieu, toutes ces bonnes œuvres dans ta vie doivent être faites. Tu vas rentrer avec assurance. Les besoins subvenus, le désespoir ôté, la faiblesse est ôtée. Dieu va accomplir sa parole. Il va accomplir sa parole. Il va accomplir sa parole. Faut pas douter, faut pas vaciller. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Nous allons voir la parole qui va s'accomplir. La parole de Satan ne va pas s'accomplir dans ta vie. La parole du faux prophète, la parole des trompeurs ne va pas s'accomplir dans votre vie. Mais la parole de Dieu va s'accomplir dans votre vie. La parole de Dieu va s'accomplir dans ta vie. La promesse de Dieu, la prophétie de sa parole va s'accomplir dans ta vie. Le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera pas accomplie. Sa parole accomplie. Sa parole accomplie. C'est fait. C'est fait. Vous allez voir l'accomplissement, le miracle. Vous allez voir et la libération. Vous allez voir la promotion. Vous allez voir la montée. Le Seigneur réveille ton esprit. Possède, va posséder, va l'obtenir, faut pas rester assis, lève-toi, va posséder, c'est pour toi maintenant c'est ta possession. Et les murs de démarcation sont brisés, les portes de prison sont ouvertes, les joues et les liens sont rompus, la libération est déjà là. La bénédiction est déjà confirmée dans ta vie. Loue le Seigneur pour cela. Loue-le pour cela. Loue-le pour cela. Loue le Seigneur pour cela. Béni sois-tu. Béni soit celui qui croit. Parce qu'il aura l'accomplissement de tout ce que le Seigneur t'a parlé ce jour. Je crois au Seigneur qu'il en sera. Crois au Seigneur qu'il en sera. Comme cela t'a été dit, comme cela m'a été dit. Au nom de Jésus, nous prions. Et que l'Église de Dieu dise que ceux qui sont délivrés, ceux qui sont libérés, ceux qui sont affranchis, ceux qui sont prêts à monter, à posséder, qui disent... C'est accompli dans votre vie au nom de Jésus-Christ.
où êtes-vous? Levez la main là. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour la proclamation. Merci pour la prophétie. Nous te disons merci pour la promesse que tu as donnée à tout le monde, qu'il est l'accomplissement au nom de Jésus-Christ. Pardonne à tous leurs péchés, pardonne tous leurs péchés, sauve leurs âmes, sanctifie ceux qui sont sauvés et baptise dans le Saint-Esprit ceux qui sont sanctifiés au nom de Jésus-Christ. Et toute bonne chose que tu as promise dans ta parole, je prie qu'il y ait l'accomplissement dans chaque vie au nom de Jésus. Aucune maladie, qu'il n'y ait plus de maladie dans le corps de tes enfants. Je commande aux maladies de sortir au nom de Jésus-Christ. Tout esprit oppresseur, je prie maintenant que tu libères ton peuple, brise toujours, détruis les œuvres du diable dans leur vie au nom de Jésus. Qu'il ait la provision abondante pour tout le monde, qu'il ait la puissance surnaturelle pour tout le monde, qu'il ait l'accomplissement des promesses de Dieu pour tout le monde ce jour, au nom de Jésus. Confirme ta bénédiction, confirme ta promesse, confirme la provision, confirme les promesses, confirme l'accomplissement dans chaque vie, même maintenant. Je prie que la joie du Seigneur soit la force de ton peuple. Comme nous rentrons chez nous, nous rentrons avec tout ce que tu as fait. Il n'y a plus de larmes, point d'angoisse, point de chagrin, point de regret. Maintenant, il y a la joie, il y a l'allégresse, il y a l'assurance, il y a le salut, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a la rédemption. Confirme tes bonnes promesses dans chaque vie, Seigneur. Nous te disons merci parce que c'est fait. Nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions.